Et bienvenue à tout le monde sur la chaîne Blaster Joie. Quoi de brailler comme ça là? Tu vas réveiller la voisine. Avec Papou et... Aujourd'hui, un versus. Versus, ça veut dire on va comparer finalement deux blasters. Le Nerf Modulus Mediator et le Nerf Modulus Tristrike. Bah ouais, on va les comparer les jeunes. Pourquoi on va les comparer, mon Vavan? Parce qu'ils sont presque pareils. Bah ouais. Parce que finalement, c'est la gamme Modulus et ils ont tous les deux des particularités similaires. C'est-à-dire, ils ont tous les deux une extension de canon qui tire. Ils ont tous les deux une crosse qui tire. Et ils ont tous les deux un blaster central qui tire. Ouais, c'est normal pour eux. Ok. Bon, alors on va commencer par comparer mes Amix, le canon. Ok, mon Vavanounet. Ok. Alors le canon. Je vais commencer par le canon du Mediator. Donc le canon du Mediator. Extension de canon, donc extension de canon du Mediator qui devient de par lui-même un blaster en appuyant sur ce petit bouton. Et ce qui était à l'origine un canon devient la poignée du blaster. Alors ça fait un blaster qui a une tronche un peu improbable, qui est peint joliment d'un côté et quasiment pas de l'autre. Par contre, alors comment il tire ce blaster? C'est un blaster mécanique à pompe, mais à l'inverse des autres, habituellement, c'est pas du ressort. C'est pas un ressort, non. C'est une pompe pneumatique. Alors, il faut qu'on pompe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfin 6 ou 7, je crois. Mmh. On 6 coups, je l'avais noté. Mais bon, en général, on fait 7 parce qu'on a peur d'oublier le 6e. Et vous n'avez pas de gâchette, regarde. Ça marche pas. Ça marche pas. Il n'y a pas de gâchette. Allô? C'est pas un téléphone. Donc qu'est-ce que c'est si c'est pas un téléphone et que c'est pas un blaster avec une gâchette? C'est quoi? Elle est où la gâchette? Ici. Vas-y, tire Vavan. Dans la goule. Alors, donc ça c'est pourri. Bah oui, parce qu'en fait, t'es là, tu fais « Ah, je vais tirer !» Bon, alors, si tu l'as enlevé, le blaster, enfin, l'extension, le canon, tu dis « Attention, je vais tirer !» Tu fais « Bon !» Là, tu tires. Par contre, quand il accroche au blaster... Ah, attends. Qu'est-ce que je fais, hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est par où? C'est par... J'habite où, monsieur? Voilà. C'est là? Voilà. Je le mets là, je le remets le canon. La crosse redevient canon. Voilà. Et donc... Ah, j'ai pompé, nanana, et je veux tirer. Attends, est-ce que t'as pas vu toi le boulot toi? T'es là, tu fais ah, ouais je pompe 1, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, ou 6 ou 7, et là tu dis, il faut que attends, faut que je tire, il est où le bouton? Je le vois pas, attends. Voilà, non mais t'as vu le boulot toi? Ils auraient dû foutre une petite gâchette. Parce que là, regarde, tu vas aller choper le bouton, bon, moi j'ai les grandes mains, paf, j'y arrive bien. Hein, d'ailleurs, il y a une super bonne revue que je vous conseille de voir, c'est, que vous avez certainement vu, faite par Broche 49 par rapport à ce blaster, hein, le Mediator. Et il fait bien voir, hein, il est comme moi, il a des grandes mains d'adulte. Lui, il arrive bien à appuyer sur le bouton. Par contre, Vavanounet, lui, il a des petites mains. Et alors, pour aller choper le bouton derrière, là, pour faire pan, hein, c'est pas super... bah, vas-y. Vas-y, vas-y, fais voir. T'as vu comment que c'est... 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Ah, voilà. Oui, bah c'est pas, voilà. C'est pas super pratique, super intuitif. Moi, j'aime ça. Bien. Toi, t'aimes bien. Bon, moi, j'ai pas trouvé ça terrible. Alors, donc le petit canon, pour finir avec lui. Par contre, faut quand même voir un truc qui est sympa. Bon, à part sa tête un peu chelou. Qu'est-ce qui est... C'était la portée du tir du machin. C'est-à-dire que quand tu tires par 3 fléchettes par 3 fléchettes, on a réussi à atteindre entre 9 et 15 mètres. Ce qui est pas mal, hein, en, bah en oui, tir pour de... un truc comme ça. Ouais, ouais, pour un tir de 3 fléchettes, donc c'est un shotgun. C'est une bonne portée. Après, on a été rusé, on a dit... Comme d'habitude, on va tirer qu'une fléchette. 1, 2, 3, 4, 5, 7. On va tirer qu'une fléchette parce que souvent, comme on l'avait expliqué sur une autre vidéo, vous avez toute la pression d'air qui va donc se mettre sur une seule fléchette. Et alors là, mon cabin, attention, mon Vavan. Et oui, il a... Hop, 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 hop. Là, alors là, ça part. Donc là, on a fait du 17 mètres avec une seule fléchette. Tu te rappelles, mon Vavanounet? Il y a un pigeon comme ça, il passait, il a fait « Attends, attends !» Il a eu peur.
Et puis en tirant 3 AccuStrike ensemble, comme les AccuStrike, vous l'avez remarqué avec nos reviews, souvent elles vont un petit peu moins loin, même si elles sont plus précises. Il suit, c'est bien. On a fait quand même. Quoi ? On a fait quand même 15 mètres, ouais. 15 mètres. Ouais, on a fait 15 mètres quand même. Bon, voilà, donc ça c'était pour Macross. Du Mediator là. Macross, n'importe quoi. Ça c'était donc pour ma poignée du Mediator. Ma poignée. Mon canon. Mon extension de canon. Alors, maintenant, ton extension de canon, Vavan, qu'est-ce qu'il y a là de particulier, toi ? Eh ben, moi. Alors, toi, ça peut pas devenir un blaster. Tiens, ça c'est marrant, je t'avais dit tout à l'heure qu'il fallait le caler, ça. Je t'avais dit tout à l'heure qu'il fallait le caler. Ouais, elle dit. Méga. Fléchette méga. Mais tu peux pas en faire un blaster vraiment à la main, mais. Comme ça. Ça dépend. Tu peux te dire. Hein, fais voir, j'essaie avec mes grosses mains, mon Vavan. Voilà. Tu peux te dire. Bah, si, en fait, j'ai un blaster, mais sans poignet. Et là, tu fais. Bage. Donc, c'est vrai que tu peux quand même te faire un petit blaster à la main, quoi. Bon. Ça tient de cochette. Par contre, souvent, le problème de cette extension de canon, c'est que. Il n'est pas rare que quand vous avez des fléchettes pas trop neuves, donc un peu moins étanches, hein, vous vous rappelez, on l'a déjà dit, vous avez combien, des fois, combien de fléchettes qui partent en même temps ? Deux fléchettes qui partent en même temps, donc la portée elle devient pourrie. Par contre, une seule à la fois, ça va bien. Hein. J'ai défoncé le mur. Tiens, mon Vavanounet. Donc, super rigolo. Et là, la portée, on est à combien, mon Vavan ? On est... Entre 5 et 10 mètres. Entre 5 et 10 mètres, donc on est pas mal. Pareil, pour un truc comme ça, ouais. C'est bien. Par contre, voilà, c'est vrai que pour faire un blaster autonome, c'est un peu kiki, t'as l'air un peu kiki, mais tu peux le faire. Je veux dire, t'as un pote, t'as pas de blaster, tu fais... Tu veux tirer de la méga? Tu veux tirer de la méga? Le mec, il se bat avec sa maman, il fait qu'est-ce qu'il passe? Et alors? Et qu'est-ce qu'il passe? Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plus de fléchettes, des fléchettes, des balles, l'autre, il est à l'armée, ça y est. Tiens, tu me... Va, Vanounet, je te... Tu le remets là-dessus, s'il te plaît. Voilà, bing, panamoum. Maintenant, on va parler maintenant du blaster qui est au milieu de tout ça. Donc, on va poser les éléments. Moi aussi. Oui, mon chat. Alors là, par contre, là, ça cause. Voilà, vas-y, voilà. Donc là... Oui, il y a des fléchettes dedans. Alors là, par contre, les jeunes, tu tiens, Vavan, comme ça? C'est une question totalement de goût. OK? Parce que le blaster central, à quelque chose près, ils sont à peu près de même taille. Ouais. Ils ont tous les deux des chargeurs. Vavan, lui, il a des chargeurs. Le chargeur s'enclenche en dessous. Moi, mon puits de chargement, il est sur le côté. Oh, et aussi. Quoi ? Regarde, c'est presque exactement aligné. Là, right tactique avec un truc de visée, right tactique avec un truc de visée. Ah, effectivement. Et puis, t'as un petit téton de visée ici. Moi, j'en ai un, mais qui est très bas. Mais on en a un. Ouais, non, ils ont vraiment des similitudes. Aligné. Et toi, tu peux aligner beaucoup plus facilement que moi. Par contre, on a un petit bouton de désenrayement ici. Est-ce que tu l'as, toi ? Moi... Non, t'en as pas. Ah si, y en a un. Bien caché, par contre. Ouais, mais il y est. Il est blanc. Est-ce que tu peux mettre une poignée, une crosse? Yes. Oui. Est-ce que tu peux mettre une extension de canon? Yes. Est-ce que t'as un high tactique de personnalisation? Oui. Est-ce qu'en dessous, pour le chargement, la différence significative va être là, chargement. Là. Donc toi, t'as un levier de chargement ambidextre, gauche et droite. Ouais. Et moi, j'ai une poignée. Donc là, attention... Ouais. Et qu'est-ce qu'on a tous les deux ? Le slam. Le slam, les deux slams. Donc c'est vraiment deux très bons blasters, même en portée. Et en jouabilité, c'est super. Attention, vous êtes prêts ? 1, 2, 1, 2. J'ai balancé deux pruneaux. À toi mon Vavan, balance deux pruneaux par là pour faire voir le slam. Attends. Reste dans le champ, ouais. Oh. C'est pas le moment de la tôle de fer, hein ? Ah, je croyais. Attention, hein, je vais te faire manger mon blaster dans les gencives, toi. Hein. Attention. Donc, maintenant, on a bien comparé nos deux blasters. On va les poser et on va vous donner une petite info. Donc, mon Modulus Mediator. Si vous achetez ce blaster, tout est vendu séparément. Ça, donc le blaster, l'extension de canon, la crosse, tout est vendu séparément. Vavan, lui, son Modulus Tristrike, il est vendu en bloc, ensemble. Voilà, donc ça c'est quand même un avantage parce que c'est vrai que
Tout cumulé, celui-là est sensiblement, enfin nous de ce qu'on a pu acheter, un peu plus cher, du coup en achetant les éléments séparés. Et il s'appelle, tous les éléments s'appellent Modulus Mediator. Donc tu as le Mediator extension de canon, le Mediator cross et le Mediator Mediator. Et là, bah, tu n'as pas ce souci-là puisque tout est vendu ensemble sous l'appellation Modulus Blaster Tri-Strike. Et bon, en plus, j'ai un truc plus pour ma crosse. On va juste donner une dernière info avant d'arriver à la crosse. On va dire quels sont les mécanismes. Donc là, c'est le mécanisme du... Enfin, tout ce qui compose l'intérieur, l'interne de ce blaster. C'est la même configuration, le même mécanisme que le Nerf Elite Rampage. Qui est un magnifique blaster, super génial. Sauf que le Rampage était plus long. Et qu'on ne pouvait pas mettre d'extension de canon ou quelque chose à l'avant. On pouvait mettre ce qu'on voulait à l'arrière. Celui-là, du coup, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein, et on pouvait mettre une extension de canon. Voilà. Par contre, aussi, oui, mon jeune. La même chose, le chargeur est pareil que là. Oui, c'est le puits de chargement est sur le côté. Et donc, qu'est-ce que vous avez de sympa aussi, en dehors de cette poignée qui est géniale quand même pour charger. Et là, vous tenez, vous chargez, vous tirez grâce à... La même poignée, enfin c'est génial. Pour ouvrir la trappe de désenrayement, c'est ici. Donc le Rampage avait aussi cette petite trappe. Quand vous refermez, ça se referme, hein, comme souvent sur les blasters mécaniques. Pour enlever votre chargeur, pareil comme d'habitude, il faut mettre ça vers l'arrière. Vous appuyez sur ce bouton et vous sortez votre chargeur du puits de chargement. Franchement, il est super beau, quoi. Il est vraiment très beau. Et t'as vu, Vavan, il est pas peint de ce côté-là comme souvent. Et toi, mon Vavan ? Et moi, il est plus peint des deux côtés. Et oui, toi, t'as de la chance sur ton Tristrak, il est mieux peint. Et puis, il a cette couleur un peu vert foncé qu'on aime beaucoup, qui fait très, très Space Commander. Ouais. Est-ce que toi aussi, mon Vavan, t'as un puits de désenrayement ? Puits de désenrayement sur le dessus. Ouais, donc trappe de désenrayement, excusez-moi. Voilà. Là, tu ramènes vers l'arrière, tu appuies sur ce bouton, tu le tires vers l'arrière, tu enlèves ton chargeur. Voilà. Tu le remets, faut que ça reste derrière. Le levier de chargement reste à l'arrière, voilà. Il est fourni celui-ci avec un chargeur de 10 fléchettes. Celui-là, il est fourni avec un chargeur de 6 fléchettes. Voilà. Allez, on les remonte, mon Vavanounet. C'est parti, les kiki. Je vais y arriver avant toi. Ah, vous pouvez vous faire des concours du plus rapide. Ensemble, t'as besoin 5. Raté. Et donc... Maintenant, on va parler de la portée donc, du blaster. Hein, du blaster lui-même. Le blaster, donc. Le Mediator, nous, on a fait des tirs entre 12 et 17 mètres. C'est bien. Hein. C'est du blaster mécanique, hein, voilà, c'était un peu les portées qu'il y avait sur le Rampage, hein, d'ailleurs. Et toi, mon Vavanounet, la portée sur ton blaster, elle est de combien? Entre 15 et 18 mètres. Entre 15 et 18 mètres, tu m'as battu, donc. Ah ouais, moi je t'ai battu, je suis comme ça. Hein. À plat de côté. Hein. Et en sachant qu'on a tiré, à chaque fois, avec nos extensions de canon, qui ralentissent un peu la fléchette. Donc entendez bien, on a des blasters... Le mien entre 12 et 17 mètres, Vavan entre 15 et 18, mais on a quand même du coup les canons. Donc ça veut dire qu'on a des très bonnes portées d'origine de ces blasters. Si vous les prenez tout seul, sans leurs extensions de canon, vous aurez encore mieux, encore de meilleures portées. On n'a pas fait de tir avec la Q-Strike, parce que comme d'habitude, vous enlevez entre 2 et 3 mètres de portée. Voilà, comme ça vous verrez avec la Q-Strike, ça fait pareil. On n'a pas dit tout à l'heure, quand j'expliquais le mécanisme du Mediator, le mécanisme du Modulus à l'intérieur, quand on l'a démonté, ça s'apparente un peu à quoi? Au Retaliator. Ouais, ça s'apparente au Retaliator, mais amélioré, parce qu'il a le slam, celui-là. Donc, il y a une légère variante sur le mécanisme. C'est le Retaliator du futur. Parce que le Retaliator, lui, ne slame pas. Il n'y a pas de tir rapide comme le tir. Bon, super. Après, qu'est-ce qu'on avait dit? Crosse, mon Vavan. Alors, je démonte la mienne d'abord. Donc, moi, ma crosse, le seul défaut qu'elle a, parce qu'il y a un défaut quand même, c'est la grandeur. Et moi, je suis grand. Le truc, il est super grand, quoi. Ils ont enlevé là quelques centimètres ici. Et ça aurait été mieux, parce que t'es là, regarde Vavan, regardez avec Vavan, lui qui est, hein, on a l'impression que...
Ah ouais, on a l'impression que t'es à bout de bras, quoi. Oui, c'est un bout de bras. Voilà. Que là, ouais, t'as vu aussi, par bon. Exemple, là. Et là, par... voilà, c'est merci. Fais voir, Vavan, comment il a du mal à aller chercher la pompe. Vous avez vu, vous avez vu. Voilà, bon, arrête, hein. Pouf. Donc, je vais vous expliquer donc la grotte. Donc, c'est pas pratique. C'est pas pratique. Mais... c'est trop long. Par contre, elle est géniale. Pourquoi? Parce que quand elle est enlevée, cette crosse, elle sert de holster. C'est-à-dire que vous pouvez accrocher avec cette petite pince ce holster, donc rigide, sur votre pantalon. Mais vous dites un holster, c'est bien, mais un holster, c'est pour mettre un blaster dedans, normalement. Exact, vous avez un blaster dedans. Un blaster qui, mécaniquement, à l'intérieur, est très, très, très similaire au... à un petit zombie. Tu l'as, tiens, mon Vavan? Attention. Magie! Le zombie double strike. Voilà. Donc, à l'intérieur, même mécanisme. Je vous conseille ce petit blaster, pas très cher. Mmh. Très beau, très bonne prise en main. Deux coups, il est super bien. Tiens, mon chat. Donc, par exemple, on a la même, donc, le même mécanisme à l'intérieur. Comme d'hab, comme tout ce qu'on vous présente, à part Vavan, qui est mieux loti sur son blaster. Bien peint là, pas terrible de ce côté-là. Attention, pour tirer, vous avez un chien, vous le tirez vers l'arrière et vous tirez. Après, deuxième coup. Oh, vache, ça a la power, hein, Ranger. C'est costaud. Hein. D'ailleurs, les portées de mon pistolet cross étaient comprises entre 10 et 16 mètres. Dans l'excellente review donc, que je disais qu'a fait Broche 49, il a testé justement pour que vous puissiez voir si la fléchette du bas n'était pas un peu moins puissante. Mmh. Et nous, on a fait les mêmes constats que lui. A priori, c'est à peu près pareil. Parce que c'est vrai que souvent, pour les blasters qui ont plusieurs canons, les uns au-dessus des autres, c'est-à-dire superposés, souvent le dernier canon tire moins loin. Par exemple, ouais, comme le Twin Shock. Ouais, on ne sait pas trop pourquoi. Certainement par rapport au mécanisme des restricteurs. En tout cas, sur celui-ci, a priori, on a fait le même constat que Broche, on n'a pas trop de différence. En tout cas, il tire entre 10 et 16 mètres, ouais. Rock'n'roll attitude, le truc. Merci. Et ça, il est franchement, il est super beau ce blaster, regarde. Ouais. Et vous avez vu quand même depuis le début. Avec un seul blaster complet, ouais. C'est-à-dire, vous avez plein de petites options qui permettent de jouer à trois potes. Mm. Tu vois, lui, tu vas chez un copain avec ce blaster entier, tu as un premier blaster, un deuxième blaster et un troisième blaster. C'est-à-dire que vous pouvez jouer à trois en emmenant un blaster chez votre pote. Ouais, donc tu fais un truc, tu caches ton blaster, un blaster, et avec les autres blasters, tu fais j'arrive, c'est moi qui vais le trouver. Si vous avez compris, vous mettez un commentaire en bas. J'ai rien capté ce qu'il a raconté. Hein, mon chat ? Bon, en tout cas, mon Vavanounet. Ça, c'était ma crosse. Toi, fais voir la tienne, s'il te plaît, mon petit monsieur. Ah, bah, moi, je crois qu'elle a une plus belle qualité. Donc, au lieu d'avoir deux tirs comme moi, mon Vavan, il a qu'un tir. Par j'ai contre, qu'un tir. Il t'envoie quoi dans la bouille, le Vavan ? Une patate ! Une pomme terre, commandant. Une pomme terre de pomme de terre. Alors fais voir l'autre. Eh ben t'es en mêlée là mon jeune là. Tu veux que je t'aide? Non, tu veux que je te prête mes mains peut-être? C'est bon. Ah alors. Oh là 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 là. Mais c'est quoi ce canon? C'est un truc de bazooka. Oh, je kiffe. Ah ouais, vas-y. Tu tiens bazooka, t'es prêt? Bazooka. Bon, en tout cas, il est génial ce truc. Il est génial parce que donc t'as qu'un tir, mais tu balances une patate, quoi, une espèce de gros missile nerf en mousse qui fait pas mal, mais c'est génial. Papou, tu fais comme ça, regarde. T'as plus de balles. Il y a 10 personnes, tu fais au revoir. Ouais, c'est un humiliator, quoi. Et la portée de tir du missile, mon Vavanounet, environ 10 mètres. Ouais, environ 10 mètres, donc c'est super bien. On avait remarqué un défaut. Quand tu fais ça pour tirer, il faut bien mettre ta main en haut. Sinon, des fois, là, tu vois, tu mets tes doigts en bas, là, tu te bugnes, là, tu te piques. Surtout moi, avec mes gros doigts, je m'étais défoncé une fois, là, avec la petite larme qui coulait, là. Ça faisait... J'avais mal. Alors, donc, ça, c'est ce qui est super aussi, c'est que ça vous fait un blaster qui tire une patate. Vous pouvez... Tiens, tu l'en mets dessus, mon Vavan ? Une fois que vous êtes sur votre blaster,
Attends, je vais t'aider. Bon, c'est pas bien mis, c'est pas, c'est juste pour faire voir. Donc ça veut dire que vous pouvez, là vous pouvez tirer aussi quand vous êtes dessus. Vas-y, fais comme si tu veux tirer ton missile avec ton blaster. Voilà, voilà. Et par contre là, Vavan, il peut aller accéder là par rapport au Mediator pour pomper l'extension de canon, pour ouais, tirer là, avec l'extension de canon beaucoup plus facilement. Là, c'est voilà, il a une échelle plus standard, plus normale quoi. Et donc c'est plus facile. Ouais, t'as quand même, t'es quand même à bout de bras, mais plus facilement que pour lui. Ouais. Et du coup. La petite cerise sur le gâteau, c'est que les deux blasters sont interchangeables. Vas-y. Vavan, on se prête les éléments. Ah, je sens que ça va être sympa ça. Oh là là, je vais kiffer ça. Ah ça j'adore. Alors ça je surkiffe. Alors là les petits gars, je pense que là on va pas rigoler quoi. Maintenant c'est moi qui ai le Mediator. J'adore comment il est. Sans déconner. Donc le Nerf Modus Mediator avec donc les éléments du Tri-Strike. Regardez-moi la tuerie du truc quoi. Voilà, par contre là tu te coinces la main ici un petit peu, hein, surtout quand tu as des grosses paluches. Donc tu prends bien en bas. Oh là c'est trop bien. Moi, à c'est toi. Moi, c'est une canne. Fais voir, Vavan. Alors, du coup, par contre, là, ça fait loin. Hein. Ça fait trop loin. Ça fait trop loin. Fais voir, j'essaye, moi. Ouais, il est moins fun. Tiens, c'est... Ah ouais, mais même moi. Ah ouais, d'accord. C'est... Bon, c'est joli. Et, hein, t'es d'accord ouais. Tes éléments sur mon blaster, ouais ou pas? C'est qui commande à la maison? Ouais, c'est Papou là. Ouais, on peut, ouais. Ah, voilà. Donc, pour ce versus, le grand gagnant, bah, c'est les deux blasters. Parce qu'on les a kiffés tous les deux pour leur fonctionnalité. Il faut quand même être assez objectif. C'est celui de Vavan, pour nous deux, qu'on préfère. Le Modulus Tri-Strike. Oui, parce que honnêtement, ça sert à rien d'acheter plusieurs boîtes pour un blaster en entier. Ouais, ça on a trouvé ça un peu relou. Et aussi, le Tri-Strike, ouais. T'as plus de performance, c'est plus drôle à tirer. Ouais, puis le Tri-Strike, on était. Enfin, il est d'origine génial, quoi. Il y a tout. Il y a tout. C'est-à-dire que t'as les missiles, t'as les méga, t'as les élites. Enfin, je veux dire, tu tires 3. Type de consommable nerf, là t'en tires que qu'un, c'est que des fléchettes élites. Lui quand il est en mode complet, il est compact. Celui-là il est, c'est une béquille quoi, il est hyper long. C'est un sniper. Voilà. Alors c'est vrai que l'intérêt aussi, le fait d'avoir qu'eux ils vendent sur le Mediator. J'ai dû dire régulateur de temps en temps, je pense, non? Ça ressemble un peu, ouais. Ouais. Les éléments du Mediator qui sont vendus donc à part, le canon, la crosse, tout ça, c'est bien qu'ils aient vendus aussi à part, parce que ça te permet de les mettre sur d'autres blasters. Mais là, vous voyez, là, on l'a mis sur un autre blaster, on les a mis sur d'autres blasters, on n'a pas trop kiffé, en fait, parce que ça, c'est trop long, c'est pas pratique, ça, c'est trop long. Par contre, le blaster qui est dedans est génial, mais c'est un peu trop long. Bon. Voilà. Donc, finalement, les deux blasters sont géniaux. C'est indéniable. Mais notre cœur balance quand même pour le tri. Strike. C'est notre pote. Et en plus, c'est le moins cher. Et il était un peu moins cher au total. Voilà. Alors maintenant, mon petit Vavan, je vais mettre une petite pause et on va remplir totalement. Ça y est, on a tout chargé. On a mis une heure. Oh, je déconne. Alors, les amis, maintenant, on va faire quel moment, Vavan? Donne tout ce que t'as pour le moment de la... Oh, le beurre. T'as mangé une pastèque, toi? Elle va sortir par les gencives, hein. T'es pas bien, là? Non, j'ai mangé... Qu'est-ce que on s'en fout, fais-moi la tôle de fer. Allez mon Vavan, fais-moi la tôle de fer. On va voir si tout ça c'est précis. Avec et si ça a la patate. Le Tri-Strike en premier. Allez, Tri-Strike, le blaster Tri-Strike. Vas-y mon Vavan, vas-y balance. Oula, ouais. Oula, ouais. Oh lolo, c'est bien. Ouais.
fort. Oh là là, oh ça tape bien. Ouais. Ouais, précis. C'est précis, très précis. Et ça tape fort. Ça tape très fort. Maintenant, on va tirer avec les mégas de l'extension de canon. Baban, baban, recule, on ne voit plus dans la caméra. Ouais, vas-y. Baban, baban, recule, on ne voit plus dans la caméra. Ouais, vas-y. Les mégas. T'as fait quoi là, le quoi? Les mégas. Vas-y, les mégas, méga. Bon, méga pas précis, patate moyenne. Allez, le lance-patate. Patate bof et pas précis. Bon, le blaster est précis, quoi, c'est déjà pas mal. Fun. Ouais, on va commencer en tirant avec le médiator par le pistolet de secours qui est dans la crosse. Vas-y, mon Vavanouné. Huche. Huche. Vas-y. Oula, ça fait quoi? Elle est pas partie. Yes! Yes! À peu près, ouais, c'est précis pas mal, mais patate pas mal. Papou, on n'a pas encore dit quelque chose sur la crosse? Qu'est-ce qu'elle a la crosse? Bah là, on peut mettre deux fléchettes ici. Mais il a raison le Vavanounet! On a un logement pour ranger deux fléchettes. Bon, ça fait deux fléchettes de secours pour le pistolet. Allez, mon Vavan. J'ai déjà chargé un premier coup. Ouais, c'est ça. Bon, tu es prêt à tirer. Allez, est-ce que le blaster, c'est précis à la patate? Ouais, à côté. Oh là là. Ça tape. Oh, c'est bon ça, j'aime bien. Ouais. Ouais, à côté. Oh là là. Ça tape. Oh, c'est bon ça, j'aime bien. Bon, ça c'est pas mal. Eh ben, le canon, je te le charge. T'es prêt? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 7. Moi, je vais faire 10. Bon, mais ça sert à rien avec. Allez, on y va, monsieur Vavan. Bage, tout dans la bouille. Bon, on est pas mal. Particularité qu'on vient de revoir encore là en faisant les tests sur la tôle de fer, qu'on a vu en faisant les tirs dehors, c'est que comme le rampage, hein, ça sortait un petit peu plus facilement du côté du blaster Mediator que du côté du blaster Tri-Strike qui s'enraye très 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 rarement. T'as vu, hein, moi je suis plus loin que toi. Hein. D'accord. Et je pense qu'on a fini, mon Vavanounet. Ouais. T'es en train de te cacher de la caméra là, et c'est tout ce que tu fais. Mais moi. Merci de nous avoir regardé. Un like. Un petit like, ouais. Un petit commentaire, ouais. Ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur la chaîne Blast. Ouais.